Bonjour, mon nom est Denis Boucher et je suis l'auteur d'une série de romans jeunesse appelée « Les aventures des trois mousquetaires ». Les trois mousquetaires, ce sont trois écoliers qui, accompagnés de leur chien, ont décidé de partir une agence de détectives. Il y a Gabriel, Anya, Amadou et Dali. Le premier roman de la série est « Le monstre du lac Baker » et c'est celui que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, l'histoire commence le dernier jour de classe et les amis décident de profiter de l'été pour partir une agence de détectives. Leur premier cas est celui d'un chat qui a disparu. Disons que ce n'est pas très intéressant. Mais peu de temps après, la chance leur sourit. En première page du journal, on annonce que quelqu'un aurait vu un monstre marin dans un lac du nord-ouest de la province. Alors là, les trois mousquetaires sont convaincus d'avoir trouvé leur premier cas. Avec Mamie Georgette, la grand-mère de Gabriel, les jeunes détectives vont se diriger vers le village de Lac Baker pour faire enquête. Quand ils arrivent sur les lieux, ils réalisent que ce n'est pas une farce. Plusieurs habitants du village disent avoir vu quelque chose dans le lac. Ils ne veulent plus laisser les enfants jouer dehors et plusieurs veulent déménager. Alors, les trois mousquetaires vont devoir faire enquête pour trouver qu'est-ce qui se cache sous les eaux du Lac Baker. Je ne vous en dis pas plus, mais je suis certain que vous aimerez beaucoup ce roman qui saura sûrement vous divertir pendant vos vacances d'été. Alors, merci de m'avoir écouté et à la prochaine.